Vous êtes venu pour voir un peu de l'absurdité aujourd'hui. Pour finir la journée, c'est pas mal du tout, et je vais vous montrer un peu ce que je vois, enfin ce que je voyais avant tous les jours, ce que je continue à voir et ce que je déteste voir toujours, toujours. Donc, voilà, petite présentation rapide. Donc, je suis directeur technique groupe Jeune Afrique. Donc, je travaille avec Benjamin. Je suis développeur depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et je développe aussi sur WordPress depuis 2007. Donc je fais 2-3 plugins aussi sur mon temps libre. En fait, je vais bientôt en sortir un sur l'Analytics. Donc, si on définissait un peu ce qu'était l'absurdité rapidement, Wikipédia nous dit que c'est la différence qu'on fait entre l'expérience qu'on fait entre ce qu'on imaginait et la réalité en fait. Bon, ça crée de la frustration en général. Un exemple plus concret, ça va être pourquoi, même sous WordPress, 70% des projets se cassent la figure. Pourtant, c'est quelque chose de simple. On apprend assez simplement sur Twitter comment créer des custom post-ups, etc. Et tout. Mais pourquoi, malgré ça, en fait, on est toujours scope, hors budget. Et... Excusez-moi. Pas que le client, en fait. Parfois, c'est le développeur, parfois, c'est l'intégrateur. Vous m'entendez, là, c'est bon ? Voilà. Donc, on va voir un peu ça. Donc, si on imaginait un projet, par exemple un site de presse, fort contenu et fort taux de visite, les différents corps de métier qui vont intervenir dessus, ça va être la gestion de projet, un DA. Chacun va voir sa vision de la chose. Donc, le DA, il va penser je vais gagner un award, je vais être reconnu, je vais pouvoir mettre ça sur mon portfolio. Et le chef de projet va se dire, c'est bon, je peux faire ce que je veux, et miracle, j'aurai ma prime parce que mon projet a été livré à temps, et même en avance. L'intégrateur, lui, il veut tout tester. Il veut faire un thème premium en plus, il veut le revendre derrière. Il veut tester Twig parce qu'il a vu ça sur d'autres frameworks, et bien sûr, on lui a dit à l'origine qu'il n'y avait pas d'IO6, donc Flexbox, je vais le tester, c'est le moment. C'est pas toujours le moment en fait. Le développeur à côté, est full stack, hein, bien sûr. Donc il va mettre tout ce qu'il a trouvé à côté, il va essayer de le mettre dans WordPress. Parce que c'est la permissive, c'est l'avantage de PHP. On peut aussi bien faire quelque chose de simple et quelque chose d'usine à gaz. Donc derrière, il va falloir mettre un cache parce que ça supporte plus la charge. Vous avez vu ce matin, il y a Rocket, il y a Supercache, etc. Et bien sûr, il ne faut pas qu'un serveur. Donc il faut aller voir l'admin system, il faut lui dire tu prends 3 serveurs parce qu'un seul, ça ne suffit plus. Voilà. Et le commercial à côté, il s'en fout complètement. Ce qu'il veut, c'est prendre un référenceur, faire du SEO, du multicanal parce que c'est à la mode. Et en fait, il a une idée de génie, c'est vendre quelque chose en plus. Donc il faut une boutique. Heureusement, maintenant, il y a WooCommerce, par exemple, avec plein d'add-ons. Mais malheureusement, avant, il n'y avait pas ça. Et à côté, c'est quand même le principal, c'est le client. Lui, il pense qu'il a full budget. 500K, c'est franchement énorme. Et qu'il y aurait une équipe de 40 développeurs par la suite. Bon, heureusement, dans tout ça, on est quand même sur WordPress. On est peut-être sauvés. Et ce que je vais dire, en fait, est valable aussi bien pour WordPress, pour Joomla, pour Drupal, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit en fait concrètement sur Internet? On arrive à trouver des custom post, enfin comment créer des custom post type, les choses à faire, pas faire, aussi bien en termes de sécurité. On a vu ce matin aussi tout ce qui était HTTPS, HTTP2, faire les mises à jour, la stratégie SEO, déploiement sous Git, ça sera pour demain, etc. Bon, on a vu que ça restait quand même dans les 70% des projets qui se cassent la gueule. Si on faisait l'inverse, ce que je vois aussi tous les jours, c'est ça. Par exemple, je vais faire un thème rapide, je vais prendre Visual Composer, faire de la CF et tout, mais dans quel contexte? Code source, j'ai pas besoin forcément de faire l'objet, ça marche très bien avec, ça marche sans. Je vais avoir un nouveau développeur, il sait pas forcément.
tout le legacy qu'il y a. Bon, on va tout mettre dans le fonction.php, hein, bien sûr. Je pense que c'est le meilleur moyen de trouver quelque chose. Le FTP, bah, si on ne me donne pas de mot de passe de FTP ni PHP AMI, je ne développe pas, en fait. Je ne vais pas plus loin, je ne commence même pas le dev et tout. Ça m'est arrivé plusieurs fois, de répéter plusieurs fois, que moi, sur mes installations, je n'ai pas de FTP ni de PHP AMI. C'est la pire des choses à faire en termes de sécurité. SEO, machin, ça suffit. Et je vais faire des page tags. Je ne sais pas pourquoi, mais on m'a dit qu'il fallait en faire. Mise à jour de WordPress, y a de la TMA, on a vu tout à l'heure avec Emily. Bizarrement, j'ai quand même des prestataires qui refusent de faire les mises à jour. Pourtant, c'est quand même vital. Le responsive, on verra ça plus tard. Ça ne nous concerne pas, apparemment. Et l'analytics, c'est un morceau de code qu'il faut mettre en bas de page. Faut pas le mettre en début de page, apparemment, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Mais franchement, j'ai pas envie de connaître ces personnes-là. Et la sécurité, c'est renommer, le plus important, c'est renommer le point PHP main. Bien sûr, vous éviterez tous les hacks si vous faites ça. C'est connu. Le HTTP2, j'ai pas de boutique, hein, ça sert à rien. Bon, vous aurez compris que c'était une blague totale. Ces trucs-là, bon, ça peut partir d'un bon principe, tout, vous connaissez pas forcément tout. Mais évitez de sortir des arguments comme ça devant un client et même en interne, parce que vous n'aurez pas de crédibilité. Surtout que c'est vous qui allez récupérer ça, en fait. Il n'y a personne d'autre. Et si c'est votre voisin, je peux te dire qu'il va pas vous laisser partir tous les soirs. Et surtout, j'entends beaucoup de gens en fait pester contre ce code-là, mais qui font rien pour le modifier. C'est-à-dire qu'en fait, eux-mêmes vont refaire la même chose sur leur propre projet et le filer à quelqu'un d'autre. La plupart du temps, en fait, ils quittent une entreprise pour aller voir une autre, et ensuite, dans cette nouvelle entreprise, ils pestent encore. Et 5 ans après, en fait, c'est toujours le même drame. Donc voilà. Bon, on va voir en fait qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour éviter ça. Je vais vous prendre un cas de figure, assez simple. Chez nous, on appelle ça le cas Good Barber, en fait. Bon, d'ailleurs, apparemment, ils sont dans la pièce. C'est parti d'un principe, on avait une appli, enfin un legacy, développée en Afrique. Je vous laisse deviner la rigueur qu'il y a. C'est comme aller en Inde ou faire ça en Roumanie, même si parfois c'est très bien. S'il n'y a pas de rigueur, parfois on arrive au drame. On n'arrivait pas à mettre à jour dès qu'il y avait une mise à jour iOS, c'était foutu. On s'est dit, tiens, il y a Good Barber, c'est un peu le appresseur en fait. Pas spécialisé dans WordPress, mais... L'idée, c'est qu'on construit assez simplement, comme dans WordPress, une application sans rien y connaître, en développement Cocoa, etc. On s'est dit, on va faire ça, en attendant, parce qu'on n'a pas le temps, en fait, de développer le projet. Donc, du coup, on a migré toutes les applications dessus. Ça fait, je sais pas, plus de 200 000 installations en moins de 2 ans. On n'a pas fait une ligne de code, ni de gestion de projet. Ça m'a pris 3 jours à tout configurer. Et pendant ce temps, on acquiert de l'audience, on acquiert des contacts, etc., qu'on pourra revaloriser par la suite. Vous avez la même chose avec des boutiques, etc. Ça ne sert à rien de faire un Magento, par exemple, si vous avez que 10 produits à faire. Le tunnel paiement, il faut qu'il soit super simple, etc. Donc c'est valable pour tout type de projet, pas seulement des projets WordPress. L'avantage, c'est que vous pouvez conserver la simplicité qu'a WordPress dans vos processus d'organisation de sites. Bon, en fait, concrètement, à force d'aller trop vite, en fait, vous perdez en fait pourquoi et quel objectif vous avez fixé à votre site internet. La plupart du temps, en fait, vous répondez à un appel d'offres, parce qu'il faut manger en fait à la fin du mois. Et vous répondez, vous prenez l'expression de besoin et tout, tel qu'il est, mais sans réfléchir vraiment à ce que le client en a vraiment besoin, en fait. Ça va prendre 20% du budget, mais certains, il n'en a pas besoin. Il l'a demandé, mais ils n'étaient pas au courant, vous ne l'avez pas conseillé, etc. Donc en fait, ouais, la première des choses, en fait, c'est quand vous construisez un projet, en gestion de projet, c'est non pas de faire des jalons, c'est-à-dire poser une date, et vous aurez fait ça pour telle date, etc., et 3-4 dates dans le projet, c'est de faire des lots. Chacun des lots doit avoir un objectif précis et clair. Si possible, si vous êtes déjà un site existant, c'est de faire une étude précise de ce qu'on appelle de l'existant. Et
trouver des solutions simples et rapides pour les mettre en œuvre. Alors, ça ne sert à rien d'installer. Pourtant, je suis directeur technique, hein, mais ça ne sert à rien d'installer une usine à gaz si c'est juste pour faire 1+1=2. Même si c'est très structuré, etc. et tout, WordPress quand même mélange, par exemple, tout le PHP, le HTML, etc. ne fait pas des templates comme on pourrait voir dans les stacks de framework. C'est pas un mal. Ça permet d'aller plus vite, de faire intervenir l'intégrateur dans le code, etc. sans qu'ils se prennent la tête. Et surtout que ces briques-là soient très évolutives. La deuxième chose, c'est de, pour chacun de ces lots-là, la plupart du temps, vous avez des interrogations techniques. C'est de réaliser des petits crash tests, on appelle ça des POC en fait. Ça vous permet d'analyser, savoir vraiment ce qu'on peut faire derrière, avant de dire au client, je vous fais ça pendant 3 jours parce qu'il fallait une date en fait. Donc vous allez analyser la cible aussi. Typiquement, c'est pas parce que Google vous dit il faut faire ça qu'il faut le faire. Absolument. Et il faut pas que ça soit un préjugé. J'ai vu pas mal de temps. Il fallait créer des page tags pour le référencement. C'était pas utile. Il y a sans doute d'autres choses plus utiles dans votre projet. Un exemple qui pourrait être le cas, c'est la création d'une newsletter. Première chose que vous regardez, c'est combien il y a de personnes qui regardent, qui vont sur votre site et qu'est-ce qu'ils utilisent. Est-ce qu'ils utilisent le mobile, le desktop, etc. Et tout. On sait qu'en Europe c'est le cas, mais en fait en Afrique c'est encore plus le cas. C'est le mobile qui trust. Donc vous allez faire une belle maquette mobile first et tout. Ça marche bien et tout. On peut cliquer sur les titres, c'est facile. Sauf que en fait votre client derrière, ce qu'il va regarder, c'est surtout la version desktop et là il va dire les titres sont trop gros. Mais en fait, ce n'est pas l'intérêt, ce n'est pas les titres. C'est que sur mobile, ça soit cliquable. C'est quand même, on rappelle. Mince. Hop. C'est quand même le mobile, en fait. Donc le but, c'est que nos gens cliquent sur les newsletters et aillent sur les articles. Donc, la deuxième solution, la deuxième pratique, c'est être pragmatique. En fait, la plupart des gens. La plupart des gens, en fait, vont faire la tâche qu'on leur demande. Un développeur va développer, un intégrateur va prendre la maquette qu'on lui a donnée, voire même au pixel près. Mais comment... Enfin, c'est carrément le slide d'après. Je recommence. Les avantages de WordPress, c'est de pouvoir construire assez rapidement quand même quelque chose de très petit, d'investir dessus, et ensuite de redévelopper quelque chose par la suite. Les thèmes premium, c'est pas non plus un mal. Ça peut vous servir à monter rapidement, rapidement une vitrine, par exemple. Si le site prend, etc. Et tout. Par contre, il faut avoir bien structuré l'information derrière. Parce que vous aurez forcément à migrer un jour ou l'autre votre premier jet. Et surtout, ça vous permet de tester un marché. C'est ce qu'a fait Rocket, en fait. Ils ont sorti un plugin. C'était peut-être bourré de bugs. En tout cas, ils ont pu le faire évoluer par la suite. C'est pareil avec votre projet. C'est le but des lots, en fait, aussi. C'est de sortir des premières versions itératives. Et ensuite, en fonction des retours, si ça tombe, le lot numéro, je sais pas, 3, ne sert plus à rien, en fait, parce que dans le lot 2, on se rend compte que finalement, les fonctionnalités qu'on avait sorties dans le lot 1 ne sont plus finalement si utiles que ça. Soit il n'y a personne qui les utilise, soit c'est contre-productif. Enfin, il y a plein de raisons. Donc, il faut éduquer vos clients aussi. À fonctionner par lot et éviter de dire moi, je veux une date, je m'en fous par tous les moyens, même si tu peux pas me dire combien de temps ça va prendre, je veux absolument une date. Ça, il faut oublier totalement. Il vaut mieux dire bon, j'aurai fini le lot 1, dans le lot 1 j'aurai telle fonctionnalité, je peux te le faire pour temps, et après on va voir le lot 2. Le lot 2, je prévois ça, mais c'est à revoir à la fin du lot 1. En fait. Donc voilà. Donc c'est le découpage en fait, c'est ce qu'on appelle les micro-projets en fait chez nous. Et ça permet aussi de faire des microservices. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte, par exemple, je sais pas, 6 mois après, qu'en fait, une brique de votre site est complètement has-been. Par exemple, nous, on avait un système de fond qui a importé des dépêches AFP dans notre site principal, sous forme de dépêches. Très pratique pour les journalistes. Et en fait, on s'est rendu compte que l'API reste en fait, à évoluer et même a été intégrée dans le cœur. Donc en fait, on a juste modifié une brique. Ça nous a pris une journée en comprenant les modifications de développement plus la recette.
Ça n'aurait pas été possible avant, en fait. Si on avait fait un lot général, tout était dans le même plugin, etc. Fallait tout, enfin, sans doute réadapter, relivrer tout, enfin, retester tout, repartir en recette. Pour répondre à Émilie tout à l'heure, c'est là. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a mis des petits tests unitaires d'un point de vue fonctionnel. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont interroger le site et vérifier qu'en fait, ils répondent toujours. Ça permet, lors d'une livraison, de tester que le fonctionnel est toujours là. C'est pas si compliqué que ça, mais ça évite en fait du temps de TMA derrière et bosser sur d'autres projets. Et éviter forcément les usines à gaz. Ce qu'on a vu tout à l'heure, les page builders, c'est très bien, ça vous fait un site très rapidement. Vérifiez juste que la data de votre cœur de métier ne figure pas dans le page builder. Parce qu'en fait, c'est des shortcodes. Vous avez un trafic de 2 millions de pages vues dedans, 10 millions de pages vues. En fait, vous êtes obligé de mettre un serveur applicatif, enfin de cache applicatif, parce qu'il ne tiendra plus à charge. Là, je prends l'exemple, par exemple, d'une 404. Chez nous, en fait, on s'est rendu compte qu'une 404, ça peut tuer votre site. C'est drôle, mais quand on découvre ça, c'est la honte, en fait. Là, j'ai pris celle du monde, c'est celle qui correspondait le plus à ce qu'on pouvait avoir avant, en fait. On le voit, en fait, il y a plein de... Il y a des liens, il y a un menu, des liens dynamiques et tout. Bien sûr, si le journaliste, il change, le lien, faut il faut qu'il soit dynamique partout sur le site. Donc forcément, la page 404, elle va être dynamique. Donc ça, c'est bien, sauf qu'une 404, c'est toutes vos erreurs. Quand vous faites une migration, c'est 2 millions de pages vues, enfin de pages qui ont été référencées de Google qu'il faut rediriger via une 404. Sauf qu'en fait, ça fait tomber votre site. Parce qu'elle n'est pas en cache. Les 404 sont gérés dans WordPress, non pas par DHTXS, mais par WordPress lui-même. Donc ça veut dire que quand vous chargez WordPress va chercher l'URL, ne va pas la trouver. Ça fait 64 requêtes par page vue. 63, enfin 64 requêtes fois le. Combien, par exemple, nous, on a. Je sais pas, je vais dire 5 000 visiteurs à un instant T. Vous multipliez ça et en fait, votre serveur MySQL va tomber. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les transientes, hein, on vous apprend, il faut tout sauvegarder dans la transiente. C'est une mauvaise pratique en fait. Deux transientes, trois transientes, ça va. Sauvegarder tout en transiente, c'est faux. Faut surtout pas. Parce que ça va interroger votre base de données. Sauf si vous avez configuré votre cache API. Là, par exemple, au mois de janvier, on s'est rendu compte qu'on ne l'avait pas fait. Au bout de 6 mois de runtime en prod, c'est la boulette. Donc en fait, on l'a configuré, il n'y a plus qu'une requête, c'est la main query qui tourne en tâche de fond. Donc ça change la vie quand même, 64 requêtes, une requête, on a beaucoup plus de visites qui est supportable pour un même serveur. Donc ça fait des frais en moins. Tout ce qui est Twig et compagnie, nous on a testé, hein. En fait, ça rallonge le temps de développement. L'intégrateur, ça fait une nouvelle techno à apprendre et tout, c'est bien pour lui, mais concrètement, on réalise des projets beaucoup moins rapidement. Et surtout, le temps de pré-compilation en PHP est plus long, sauf si vous mettez du hardcode. Là, je vous laisse faire. Et les nonces, on vous dit partout, la sécurité, c'est bien. Les nonces, ça sert à la base à vérifier que vous n'avez pas du cross-scripting sur un formulaire depuis l'extérieur. Depuis un back-office, ça ne sert pas à grand-chose. Vous vérifiez par contre que vous êtes bien connecté en admin, que vous avez bien les bons rôles. Mais après, c'est pas. Donc si vous n'avez pas de formulaire côté front, vous ne cassez pas la tête à mettre ces trucs-là. Et la sécurité, par exemple, il y en a qui suppriment leur readme, qui renomment les dossiers admin, comme je vous ai dit tout à l'heure, juste pour cacher la version de WordPress et éviter de se faire hacker. Pensez juste que en fait, vous avez le numéro de version de WordPress dans vos flux RSS. Donc, en fait, c'est utile, c'est inutile. C'est quand même un mot de passe, ça ne sert pas à empêcher un hack, ça ralentit un hacker, ça l'embête parce qu'il ne trouve toujours pas la solution. Il y a bien un moment donné, il va trouver une solution. Les environnements, enfin, nous par exemple, on n'a qu'un seul serveur pour 10 millions de pages vues. Ça suffit. Avant, on avait 5 serveurs. Donc, c'est juste la qualité de votre code et surtout la gestion de votre cache en fait, frontale. Après, si vous avez un site très dynamique, c'est différent, mais ce n'est pas le cas de la plupart des gens. Surtout sur WordPress. Donc, si vous voulez une conférence sur le cache, il y a Maurice Balber qui, demain matin, qui fait une conf là-dessus plus détaillée. J'ai pas le temps en 20 minutes de le détailler. Mais
Par exemple, un CDN comme Cloudflare et tout, ce n'est pas un serveur de cache. Ça va délivrer votre contenu, par exemple vos fichiers CSS et tout, localement. Par exemple, vous êtes en Afrique. Malheureusement, il n'y a pas de CDN en Afrique. Mais en Asie, par exemple. Ça va délivrer une version du cache localement, plutôt que d'interroger votre serveur en France, etc. J'ai vu des gens qui mettaient tout dans le CDN, ça ne servait pas à grand-chose. La plugin de cache n'est pas toujours la solution. Nous, on a voulu tester Rocket, mais en fait, c'était très particulier. Je ne dis pas que c'est un mal. Sur d'autres sites, simples ou complexes, ça peut servir. Mais faites bien attention à ce que ça, enfin, l'impact que ça va avoir sur votre code et comment vous le configurez. Malgré une configuration, on savait que nous, en fait, quand on l'a installé brut et qu'on a fait 2-3 configs de base, ça a augmenté le temps de chargement de x2 au lieu de les réduire x2. Donc, du coup, on a développé nos propres outils en interne, parce que ça n'existait pas sur le marché encore. Ça n'existe toujours pas d'ailleurs. Donc, je passe par mon même système, on fait tout ensemble et tout. Mais souvent, en fait, juste un cache applicatif comme Varnish ou Redis, en fait, ça vous fait un gain monstrueux Enfin, ça peut augmenter potentiellement enfin, diminuer la charge que vous avez sur le serveur et du coup augmenter potentiellement le nombre de personnes que vous pouvez avoir sur votre site. Je vais terminer par ça. Avant de passer d'ailleurs sur WordPress, mal structuré et tout, je ne pouvais pas supporter plus de 1000 personnes sur mon site. Je pensais juste que c'était d'audience, etc. et tout. En fait, il crachait au bout de 1000 personnes. J'ai juste changé tous ces trucs-là. Vous adressez à des personnes qui savent utiliser du cache, du varnish, etc. et tout. Il y a forcément des gens qui le savent. Vous pouvez aller à des CSS2, enfin pas des CSS2i, mais des experts en fait dans ces domaines-là, des agences. En fait, ils vont vous faire pour vous, vous aider là-dessus. Et en fait, on a fait un bon. Globalement, en fait, on est. Je veux dire 1003, 1004 personnes, et on peut monter enfin, on est monté jusqu'à 5000 personnes. On a fait des pics à 5000 personnes à instant T sur des contenus dynamiques. Donc ça peut quand même changer pas mal la vie. Voilà. Voilà. Juste pour information, j'en ai pas rapidement parlé, mais si vous voulez savoir si justement c'est utile de faire des page tags, etc. et tout, analysez vos contenus dans un agrégateur de statistiques, par exemple Google Analytics, Piwik, etc. et tout. Si on fait quelque chose d'assez novateur, si vous voulez vous inscrire, une mail de bêta. Voilà. Voilà. Merci. Si vous avez des questions. Mmh.